Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, enfin au bord de l'eau, hein, après ces deux mois renfermés à la maison. Vu que les lacs et les étangs sont fermés pour l'instant, donc j'ai prévu de pêcher sur le canal du Nivernais, hein, qui reste un canal quand même assez sauvage, avec beaucoup de végétation. Ici, je suis sur un des secteurs où il y a la ronde qui est juste derrière, donc c'est vrai que c'est quand même joli. Hein, ce sont des parcours qui sont quand même pas mal. Et je vais faire une pêche mixte, hein, c'est-à-dire que je vais essayer de faire quelques poissons blancs sur un coup de bordure. Et puis je vais pêcher à la canne à 11 mètres avec des pelets et du maïs, hein, pour essayer de faire des carpes, puisque c'est une partie du canal où il y a souvent quelques carpes. Et je vais sortir le matériel et puis je vais vous expliquer tout ce que j'ai prévu pour la pêche d'aujourd'hui. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, hein, la stratégie ça va être de faire un coup à l'amorce à 5 mètres et puis un coup sous la canne à 11 mètres. Donc pour le coup amorcé, j'ai prévu une version explosive blanche. Voilà, une recette qui se rapproche un peu de la dernière recette explosive que je vous avais donnée, mais légèrement modifiée. Et là, ça tâche tout blanc dans l'eau. Alors pourquoi ? C'est simple, c'est parce que là c'est vraiment orienté pour les plaquettes. Je me dis qu'avec une amorce qui tire un peu sur le blanc, j'aurais peut-être la chance d'éviter un peu les poissons-chats. Voilà, donc je vais bien la mouiller. Voilà, je vais la laisser gonfler une première fois. Et puis je viendrai soit la remouiller, soit la tamiser directement. Voilà, là l'amorce a suffisamment gonflé et je vais donc ajouter de la bentonite pour la faire tracer un petit peu. Voilà, ça va éclaircir encore plus l'amorce et ça va permettre de bien nuager.
Voilà, donc là j'ai monté une ligne pour chaque coup pour l'instant. Donc pour faire un coup à 5 mètres, je vais commencer à amorcer. Donc je ne vais pas charger beaucoup puisque sur ce coup je vais principalement pêcher au rappel. Donc je vais commencer uniquement avec 3 boules. Voilà, pas trop serré. Le fait qu'il y ait la bentonite dedans, ça la fait descendre assez vite. Donc pour le coup à 11 mètres, hein, ça va être principalement pour des gros poissons. Donc là j'ai fait un mélange d'extrudés, hein, avec des petits pelets surdosés de 3 mm. Et là donc ça sera par contre qu'une seule coupelle avec quelques grains de maïs. Voilà, parce que s'il n'y a pas beaucoup de poissons, je veux pas non plus gaver les poissons.
Voilà, premier beau poisson après une heure de pêche. Bon, je pense que là c'est une carpe, j'ai fait quelques chats. Et là c'est bien parti sur le côté. Ah, c'est une belle petite commune. C'est dégueu. Tu vas la relâcher? Ouais.
Voilà, donc ça fait à peu près 2h30 que je pêche. Bon, que ça soit sur le coup en bordure ou à la grande canne, bon, y a quand même pas mal de poissons-chats, donc ça reste assez problématique. Bon, j'ai abandonné le coup de bordure puisque j'ai pas réussi à faire de poissons blancs. Alors par contre, ce qui est assez particulier sur le coup à 11,50, c'est que ça fait deux fois que je passe décollé avec ma ligne de bordure qui est montée avec un petit flotteur en 0,30. Et en fait, je me suis fait casser deux fois par les carpes. Pourtant, je passe 10 cm au-dessus du fond pour éviter les chats, histoire de faire peut-être des rotangles et des plaquettes, parce que de temps en temps, j'ai des rotangles qui mordent à la descente. J'en ai fait un ou deux. Dès que je mets des petites coupelles de sion, j'ai les rotangles qui reviennent dessus. Et du coup, je pense que je vais essayer de monter une ligne un peu entre les deux. Légère, mais avec du nylon assez costaud pour essayer de prendre ces poissons qui mordent un peu bizarrement. Voilà. Bon, là, en 2h30, je pense que j'ai fait une quinzaine de chats. J'ai une brème, une plaquette, un gros rotangle et puis donc un carpeau, une petite carpe commune. Et puis deux fois cassé. Voilà, j'espère que les carpes vont rentrer parce que je pense qu'il y a des beaux poissons à faire. Mais pour l'instant, j'arrive pas trop à trouver comment les prendre. Voilà, donc j'ai remonté une ligne un peu intermédiaire en fait entre gros et petits poissons. Donc j'ai pris un flotteur BR4 en 0,30. Un flotteur plus destiné à la pêche au cou. Et donc j'ai monté en corps de ligne un Excellium en 20 centièmes. Et un bas de ligne en 18 centièmes. Et sur ce bas de ligne en 18 centièmes, j'ai monté un hameçon Feeder Max 001 en 18. Alors ça fait vraiment un bas de ligne très très gros par rapport à la taille de l'hameçon. Mais je pense que c'est le seul moyen de réussir à faire quelques carpes. Et puis là, je viens de faire un rotangle décollé du fond. Donc ça n'empêche pas de faire des poissons plus petits. Mais voilà, je pense que c'est sûrement la meilleure solution. Une ligne qui se présente bien, type ligne à gardon, et puis un gozer rouge. Voilà, elles ont l'air de mordre un peu mieux qu'une ligne posée sur le fond avec un grain de maïs. Et en attendant, ça me permet de faire quelques poissons blancs qui traînent sur le coup. Voilà, donc c'est pas des carpes, hein, mais je suis plutôt content de faire des belles brèmes comme ça. Vraiment des beaux poissons. Voilà, bon, fallait vraiment changer de ligne, hein, pour pouvoir passer plus léger
Et juste mettre un gozer avec un petit hameçon. Pour l'instant, la stratégie qui fonctionne bien, donc c'est un petit gozer rouge tout seul sur mon hameçon de 18, une plombée groupée à 30 cm de l'hameçon, et puis j'alterne entre un rappel à la coupelle pleine et puis rappel à la coupelle dessus. Voilà. Et le bas de ligne en 18 centièmes n'empêche pas les rotangles, gardons et brèmes de morne. Voilà, donc après une petite demi-heure de combat, ça n'a pas été simple. Malheureusement, j'ai pas pu filmer en direct, j'avais mis la caméra beaucoup trop loin. Voilà. Belle commune. Beau poisson de canal, superbe. Oula. Ouais. Prends là, tiens là. Oh là, mais arrête, c'est dégueu. Allez, on va la remettre dans la bourriche, on va voir s'il y en a une autre à prendre. Yumiko, adios les copains. J'avais trop envie de faire ça. Attends, je te prends.
Bon bah voilà, encore cassé, hein. Bon, avec un bas de ligne en 18 centièmes et un tout petit hameçon, c'est vrai que si les poissons font vite 4-5 kilos, c'est quand même compliqué, mais malheureusement quand je prends la ligne beaucoup plus costaud, j'ai pas du tout de touche. Avant de sortir les poissons, je vais revenir un petit peu en détail sur les trois lignes que j'ai utilisées. Donc la ligne de bordure, j'avais prévu un petit flotteur en 0,30. Bon, malheureusement, c'est un coup qui n'a pas beaucoup fonctionné. Puis bon, vu qu'il y avait des poissons chats, j'ai vite laissé tomber. Après, donc la ligne à carpe, j'avais un flotteur K2 en 0,50. Et puis un hameçon XT1 numéro 12. Voilà le corps de ligne en 20 centièmes et un bas de ligne en 18 centièmes. Et puis sur ce kit, j'ai un élastique plein, un prototype que je teste depuis déjà le mois de juillet pour fun fishing. Voilà, un 2 mm plein. Ensuite, la ligne que j'ai remontée après 2 heures de pêche. Donc là, j'avais pris un BR4 en 0,30. Avec une plombée groupée, avec des plombs shooter numéro 9. Et puis là, par contre, un hameçon beaucoup plus petit, un FMX 001 en taille 18. Et sur cette ligne, j'avais un élastique creux de 2,4 mm. Voilà, et donc ce qui a quand même bien fonctionné, c'était de remettre des coupelles avec un mélange d'extrudés et de grains de maïs. Donc les extrudés, je les avais préparés il y a 2 jours et je les ai fait tremper dans de l'amino booster crab garlic. Voilà, je m'étais dit que ça ferait peut-être fuir un peu les chats puisque ils aiment pas trop l'ail. Et puis en même temps, je sais que pour les carpes c'est pas mauvais, mais en plus les brèmes aiment bien ça, donc
ça a plutôt bien marché parce que j'ai fait quand même pas mal de brèmes sur le coup. Et en plus avec des lignes quand même assez grossières, hein, puisque sur les deux lignes qui ont bien marché, j'étais en nylon 18 centièmes en bas de ligne et ça m'a pas empêché de prendre des brèmes ni des gardons. Et même sur le gros hameçon avec deux grains de maïs, j'ai également fait des rotangles. Donc quand le poisson est là, bon, ça ne le dérange pas tant que ça. Donc au final, j'ai 5 carpes. J'ai réussi à faire vraiment 3 beaux poissons, plus 2 autres. J'en ai décroché une et puis je me suis fait casser quand même 4 fois. Voilà, bon, ce sont des poissons sauvages qui ne sont pas beaucoup pêchés. Là, j'ai coupé l'herbe, donc c'est une place qui n'a pas été pêchée encore cette année. Puis en plus, on vient de sortir du déconfinement, donc je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de monde qui soit venu amorcer ni pêcher ici. Donc voilà, bah, je suis plutôt content parce que je ne m'attendais pas du tout à faire des brèmes. J'espérais faire quelques carpes, mais j'y voyais mal parti au début parce qu'il y avait quand même beaucoup de poissons-chats sur le coup. Et puis voilà, bah, j'ai pas trop amorcé au début, j'ai passé 2 heures à chercher un petit peu et finalement ça a fini par rentrer. À la fin, il fallait mettre quand même des pleines coupelles, ce que j'ai utilisé principalement là pour l'amorçage. Ouais, et puis j'ai remarqué quand j'ai puisé les brèmes qu'elles recrachaient une texture un peu molle, donc je pense que c'était les pelés qui se désagrégeaient au fond de l'eau, puisque ceux-là je les fais tremper déjà depuis 2 jours. Voilà, bah écoutez, on va sortir les poissons et puis bah, je suis plutôt content. Hein. Voilà, c'est quand même une belle pêche là, pour la reprise. C'est plutôt cool. Voilà, ben je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Une pêche de poissons vraiment magnifique. Des carpes, des brèmes. Voilà, j'ai à peu près une quinzaine de brèmes. Et puis j'ai 5 belles carpes. Voilà, des belles communes. La belle carpe sauvage de canal. Voilà, 3 poissons à peu près calibrés. 2 plus petites. Et puis pas mal de brèmes, des beaux rotangles. Allez, on va se dépêcher de remettre tout ça à l'eau. Merci de continuer à vous abonner, merci pour vos partages et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.